Bonjour et hip hop, voici la vidéo, suivez la flèche rouge. Souvent, la Vierge Marie apparaît sur un petit nuage. Ce nuage, c'est la représentation de l'Esprit Saint. Il faut savoir que partout où il y a Marie, la Mère de Dieu, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le Père biologique de Jésus. En effet, Jésus a reçu le côté divin par l'Esprit Saint et le côté humain par Marie. Le manteau de Marie, que tout le monde connaît, si vous ne le connaissez pas, c'est une protection qu'a Marie pour se protéger de Satan. Elle s'en sert aussi pour protéger toutes les personnes qui sont proches d'elle. C'est une protection tellement forte que Satan n'a jamais pu la transpercer. Ce manteau, en réalité, c'est l'Esprit Saint qui recouvre Marie pour la protéger. Marie dit que tous ceux qui écouteront et mettront en pratique ses messages, quand ils parleront, les gens entendront la voix de Marie. Et en plus, partout où il y a l'amour de Marie, l'Esprit Saint se précipite pour y rester, à condition de jeûner, car le jeûne permet de garder l'Esprit Saint en nous. Beaucoup prient pour demander à Marie de les protéger de son manteau. En réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut utiliser le manteau de Marie. Il faut en réalité se rapprocher le plus possible de Marie, en la priant beaucoup, en cherchant à connaître son histoire, sa vie, ses grâces, ses prières, ses apparitions, et plus vous serez proche de Marie, plus son manteau vous protégera. Il y a aussi une autre technique. C'est la confiance. Il faut beaucoup prier Marie et à chaque fois que vous avez une décision à prendre, vous demandez à Marie quoi faire. Et quand vous avez une idée, vous la faites même si c'est un peu bizarre. En disant à Marie, j'ai confiance en toi, je fais ce que tu me demandes. Et si vous n'avez pas d'idée qui vous vient, faites le choix de l'amour. C'est-à-dire faites ce qui permet de donner le plus d'amour. Et dites à Marie, j'ai confiance, je fais ce choix pour toi en ayant confiance en toi. Marie pleure. La Vierge de Méthane a de nouveau pleuré du sang. Voici des images de la rose mystique pleurant à nouveau du sang. En mars 2020, une statue de la Vierge Marie appelée Vierge de Méthane a pleuré du sang. Cette statue de la bienheureuse Vierge Marie de la rose mystique est située dans une maison à Méthane en Argentine. La propriétaire de la statue, Rosana Mendoza Frias, dit que la statue pleure régulièrement depuis 2017. Rosana, mère de 4 enfants et propriétaire de la statue, a déclaré qu'elle avait reçu la statue de Rosa Mystica en cadeau après avoir fait une fausse couche il y a près de 10 ans. Ce supposé prodige n'a pas encore été reconnu par l'Église. Chers enfants, je suis votre mère et je vous invite à vous rapprocher de Dieu à travers la prière, parce que lui seul est votre paix, votre sauveur. C'est pourquoi, petits enfants, ne cherchez pas des consolations matérielles, mais cherchez Dieu. Je prie pour vous et j'intercède auprès de Dieu, pour chacun individuellement. Je recherche votre prière afin que vous m'acceptiez moi-même et que vous acceptiez mes messages comme au premier jour des apparitions. Et alors seulement, lorsque vous ouvrirez vos cœurs et que vous prierez, des miracles s'accompliront. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, au cours des années, je vous ai invité à prier, à vivre ce que je vous dis. Mais vous vivez peu mes messages. Vous parlez, mais vous ne vivez pas. C'est pourquoi, petits enfants, cette guerre dure si longtemps. Je vous invite à vous ouvrir à Dieu et à vivre avec Dieu dans votre cœur. En vivant le bien et en témoignant de mes messages, je vous aime et je désire vous protéger de tout mal. Mais vous ne le voulez pas. Chers enfants, je ne peux pas vous aider si vous ne vivez pas les commandements de Dieu, si vous ne vivez pas la messe, si vous ne rejetez pas le péché. Je vous invite à devenir apôtre de l'amour et de la bonté. En ce monde sans paix, témoignez de Dieu et de l'amour de Dieu. Et Dieu vous bénira et vous donnera ce que vous lui demandez.
Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de 1993 à Medjugorje. Jésus. Fermez les yeux et répétez après moi. Prie Marie pour m'aider à prier Jésus pendant la communion. Et prie aussi pour m'aider à me confesser régulièrement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous voulez me contacter en privé, pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail, remy.croassier@orange.fr. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Vraiment extraordinaire cette vidéo. Enfin oui, elle est pas trop mal. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.